أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ فرايس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله pour quelques minutes nous pour essayer expliquer un petit concernant Israël et Banu Israël. C'est généralement concernant l'histoire de Israël, Banu Israël. Banu Israël, à travers l'histoire, pour plus comprendre, Azodizo, Nutandimun, Ban Israël, Ban Juif, côté sorti. Et qui Coran fait mention concernant Israël, Banu Israël. Nous comptons bien dans 114 sourates que Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé, fin révélé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un là-dedans qui est connu sous un nom qui appelle Isra. Et il y a certains parmi les savants qui disent ce nom-là aussi l'iconie comme. Hein? Ça n'a connu? Faux. Bonnet, nous cassons. À cause d'histoire. Nous connaissons content, écoutez. Mais nous avons un missile là, bonnet. Banu Israël. L'histoire, sa sourate là, sourate Isra, qui raconte concernant que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte Makka, il fait un voyage depuis Makka, il allé dans Palestine, Jérusalem. Depuis dans Jérusalem, il allé que Allah subhanahu wa ta'ala, le animal qui appelle Buraq. Donc l'histoire là, sa sourate là, sourate Isra, il raconte le là. Et une relation avec Banu Israël. Dans un hadith qui trouve dans Bukhari, comment je trouve lui, Abdullah ibn Mas'ud, un sahabi, radiallahu anhu, dit قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. Rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit Banu Israël et Kahaf, sura Kahaf, sura Maryam, sura Taha, et Al-Anbiya, sura Al-Anbiya, c'est ban premier vieux conte. Qui veut dire ça? Al-Itaq. Al-Itaq, un savant qui appelle Hafiz ibn Hajar, il dit Itaq. Les pluriels, ce singulier, Atiqun. Atiq, si nous traduisons le veut dire ben, ancien. C'est même qu'il nous dit vieux conte. Et
Ici, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, peut dire Sourate Isra, Sourate Kahaf, Sourate Maryam, Taha et Kalambiya, c'est un vieux conte. En d'autres mots, c'est un premier surah qui est révélé. Un premier qui nous fait apprendre depuis le Coran. Et c'est même un surah qui nous révélé au commencement, c'est même Abdullah ibn Mas'ud peut dire nous fait apprendre ce surah-là au commencement. Sourate Isra, Sourate Kahaf, Sourate Maryam, Taha et Al-Anbiya. Quant à le mot Tiladi, il y a un autre meaning, une autre signification encore. Il veut dire, parmi ban qui fin descend, il y a une excellence. Il y a plus supériorité. Donc, il y a une surah qui fin descend, mais ça qui fin mentionné ici, Ibn Mas'ud peut dire, que Sourate Isra, Sourate Kahaf, Sourate Maryam, Taha avec Al-Anbiya, il y a plus excellence. Donc, je finis à apprendre ça. Sa relation qui est là, ce qui nous finit à apprendre à travers la parole à Rasul sallallahu alayhi wa sallam et sa sahabi qui appelle Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Maintenant, un autre encore concernant Isra même, sa nom Isra là, sura Isra, Aisha radiallahu anha, lui dit, rapporté par Hadith Tirmidhi, كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. Traduction, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم pas tipé de homi, aussi longtemps les paliers sura Banu Israël et qu'un autre sura qu'appelle Az-Zumar. Hadith qui trouve dans Tirmidhi. Là, nous posons une petite question. Mais qui est dans surah Al-Isra et qui est dans surah Az-Zumar? Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lier ça avant l'idomi. Quand nous guettons le Coran, chers frères et sœurs, nous connaissons dans le Coran et nous avons toute information qui Allah Ta'ala fin de nous. Et information qui Allah Ta'ala de nous peina aucun doute, même atome un doute peina, tout vrai. Et Allah Ta'ala quand de nous information dans le Coran, il de nous information concernant ce qui fin passé, l'histoire dans le passé, ban peuple qui fin vivre bien, ban peuple qui fin pini parce qu'ils fin vivre dans désobéissance à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala donne nous information toujours dans le Coran comment nos besoins suivent un code de vie pour nous gagner Jannat. Et Allah Ta'ala donne nous information encore dans le Coran ce qui peut arriver. Quand nous sommes dans Sourate Al-Isra, il raconte nous information concernant Banu Israël, concernant sa peuple qui nous connaît Israël. Qui Allah Ta'ala fin de nous autres comme faveur comme ça? Beaucoup de prophètes fin révélés, fin descendent dans notre camp, dans notre endroit, dans notre pays. Allah Ta'ala fin fait beaucoup de prophètes parmi eux, fin accorde eux beaucoup faveur. Puis raconte-nous concernant l'histoire. Quand nous écoutons l'histoire dans le passé, ça amène-nous à réflexion, soit nous prend des stènes, des positions, soit nous tient les sons, nous fait pareil. Quand les bons, ou bien nous tient les sons, nous restons loin avec ce qui banna fin et pini. Dans Sourate Al-Isra, il raconte nous l'histoire dans le passé. Quant à Sourate Az-Zumar, il raconte nous concernant l'histoire dans le futur qui peut arriver. Guette à qui point Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'iti conscientise lui-même, guette dans le passé comment Dimoun tu peux vivre, et guette après comment pour plan. Ça concernant Sourate Al-Isra, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de pédomie, excepté quand il y a Sourate Al-Isra et Zumar. Après qu'il nous guette un athar, une parole, un sahabi qui appelle Ibn Mas'ud, radiallahu an, et nous guette une parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant Sourate Al-Isra, nous guette l'imème Banu Israël, là, qu'est-ce qui sortit ça? Qui était ça? Banu Israël, en arabe, nous sommes capables de traduire
serviteur Allah. C'est qui ça? La plupart, ben mufassir, en a ittifaq lola, en a consensus lola, ben mufassir dit, Huwa Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Qui s'en a ça, quand on peut dire, ben Israël, Israël là, c'est qui ben l'y réfère à l'histoire qui retourne à Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, là nous pouvons le tester un peu, non ban prophète et connaissance qui nous est là, le footballer avec le prophète. Dans l'équipe, comme je jouais là, je ne pas pour jeunesse, je pose un peu ban vétéran. Hein? Dans l'équipe, hein? 11, pas 12, non? Goli. La dame. Oui, alhamdulillah. Yaqub alayhi salam. Comment ce gars sont appelés? Hein? Youssef. Mais qui s'en a, qui s'a prophète, qui se papa, pas t'a accepté l'islam là? Chut, chut, chut. Vous êtes un petit ban qui a bonne position qu'à se pose là. Hein? Faux. C'est un qui ne répond là. Alhamdulillah, Allah augmente de connaissance. Bien bon, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, ce papa, l'espérance idole. Nous revenons à Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, l'histoire fait mentionner qu'il y a quatre madames. Alhamdulillah. Et à ces quatre madames-là, il y a 12 enfants. Parmi, avec une madame là, il y a Youssef alayhi salam avec Binyamin, avec les autres encore, ben les autres madames. Ça concernant Yaqub. Nous sommes là, Yaqub, suivez-le, hein? Les histoires nous racontées là. Nous sommes là, Yaqub, nous retournons avec Ibrahim alayhi salam dans Surah Al-An'am, Surah numéro 6, ayat 84, 85 et 86. Allah donne une petite information là, quand il qualifiait Ibrahim alayhi salam comme papa de ben prophète. Comment les qualifier Ibrahim alayhi salam, papa de ben prophète? Parce que Ibrahim alayhi salam, après qu'il a écrasé ben idole, dans cette époque, il a fini dans l'instinct, Allah a fini mettre dans le moule pour faire comprendre qu'il est idole, tu n'as pas pour qu'il dise avec lui, il n'a pas pour qu'il fait toi, non, malgré qu'il soit papa, tu parents idole. Alors, Ibrahim alayhi salam, quand il trouve Bandimon, il sort dans l'endroit pour aller dans une fête, il saisit l'occasion pour venir qui pour faire. Crasse tout idole. Après, qu'il finit faire? Il finit prendre sa outil qu'il finit servir pour crasse l'idole là, il finit laisser un sel. Qu'il finit faire avec ça? Il prend lui, il met le gros idole là. Et l'histoire est très connue, nous vient bref. Quand Banane vient trouve ça, Banane soupçonne Ibrahim alayhi salam, appelle lui, il dit oui, toi-même qui ne fais ça, il dit ben j'ai pas trouvé, dis-moi gros là, gros idole là qui a répondu, Banane vient déconcerté, et je finis connaître qu'Ibrahim alayhi salam il fait ça, et je finis prépare un gros défi pour punir Ibrahim alayhi salam pour l'action qu'il vient faire vis-à-vis ban idole. Et Allah Ta'ala il a son plan, wa makaru wa makar Allah, wallahu khayrul makirin. Fais ton plan toi, et Allah Ta'ala pour faire ce plan. Et Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, ce plan les plus meilleurs. Fin prépare un gros défi pour punir Ibrahim alayhi salam. Prends Ibrahim alayhi salam, c'est le défi. Et trouve Ibrahim alayhi salam, ben qui peut témoigner ça, mais n'a aucun effet. Qui fait Allah Ta'ala fin dire, oh d'un défi. Oh d'un défi pour dire, refroidi. Wassalamun. Et vin en façon pour vin en la paix, quand sa refroidissement là pour venir, vin en la paix qui ni te pour faire li gagne trop beaucoup frais, dit là, ni en façon que li pour trop moins, que li pour sentir la flamme là. Donc Ibrahim, saint et sauf d'adifé, banna trouvé qui papé et n'a aucun effet, ti ali, li là li pousse li depuis dans l'endroit, pour faire li exil li depuis dans l'endroit, nous trouver parmi ban caractéristiques ban prophète dans ce chemin de da'awa. Il y en a beaucoup qui, zot peuple, pousse zot.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui peuple qui finit poussli? Sommeil, hein? Faux. Faux. Exactement. Quraysh. Quraysh finit poussli depuis Makka. L'élème fait Hijra et Al-Madina. Qui prophète encore finit sorti depuis dans son endroit et finit dans l'autre? C'est un vrai malin là. Réponse ça commence par. Ah, alhamdulillah, faux, mashallah. Moussa alayhi salam, nous pouvons l'olit aller là. Il y a un rôle extrêmement important à jouer dans Banu Israël. Moussa alayhi salam. Jusqu'à ce que Pharaon plane pour que tu aies besoin de quitter l'Égypte, il y a dans Madian. Et comme ça, il y a encore un prophète, quand il y a besoin de quitter le pays, l'endroit que vous êtes finis, et fin pour zut, fin pour zut, al dans les autres l'endroit. Donc Ibrahim alayhi salam, il connaît comme papa du ban prophète. Et Ibrahim alayhi salam, il s'est marié, il tient à deux madames, un Hajar avec un Sarah. Et l'histoire longue toujours, nous pas vous rentrer là-dedans. Nous venons le Hajar exactement. Hajar, lui, dans scène, la ligne de Hajar là, ce deuxième madame, Allah Ta'ala fin donne lui un enfant. Les enfants là s'appellent. Ismaïl, Ishaq. Ismaïl? Alhamdulillah. C'est faux. Ismaïl. D'un côté, Hajar, c'est un seul enfant qui appelle Ismaïl. Nous tous connaissons l'histoire d'Ismaïl, la dame qui nous gagne la ligne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Ismaïl, l'histoire nous compte très bien quand la rêve Ibrahim alayhi salam. Si fait un rêve qu'il est coupé sur les coups, l'aime nous gagner l'histoire de Bakrid. Nous venons à la deuxième madame qui s'appelle Sarah. Sarah, lui, Allah Ta'ala, aussi fin de donner un enfant, et les enfants là s'appellent Ishaq. Ishaq, un prophète. Depuis Ishaq, l'aime nous fin gagner. Histoire là longue ça. Je me rappelle le nom pour mailler là maintenant. Faux, hein? Faux. C'est qui dit bon ça là. Allez, nous cassons bien. Faoulet dans qui l'équipe était? Ils étaient tous tranquilles. Faoulet. Chelsea? Ça, ça connaît, Liverpool. On revient avec Yaakoub. Yaakoub, alayhi salam, il est sorti depuis Ishaq, il vient Yaakoub. Yaakoub alayhi salam nous finit d'être là. Il y en a combien d'enfants? 12. Et l'histoire de Yaakoub, bref encore, Yaakoub alayhi salam, il tient un prophète. Il est la même, il tient la jalousie entre ban frères. Banna fin pensait que papa Yaakoub alayhi salam préfère Youssouf, plus content Youssouf. Banna fin fait un plan pour dire Youssouf, nous sortis, nous pouvons jouer ensemble. Mais papa tient un pressentiment qu'il se préfère quitter plan. La même qui banna fin plan pour tout Youssouf et n'a dit non, nous pas tout il dit, nous étions dans le puits et fin embête papa là, fin mettre fausse disant là-dedans et fin retourne la case. Et Youssouf alayhi salam, c'est dans le puits. L'histoire continue. C'est une caravane qui passait pour tirer de l'eau depuis dans le puits. Quand vous fin tirer de l'eau, vous fin trouver un joli garçon. Et ce même garçon, Youssouf alayhi salam, qui quand banna fin prend lit, caravane là fin prend lit, final dans l'Égypte, et vous fin van lit là-bas dans l'Égypte avec les rois. L'histoire là, Lilon, juste pour nous comprendre, présence qu'il finit dans l'Égypte, quand là il tient interprète, rêve qu'il les rois finent faire, et les rois finent élever dans une position, quand là Youssouf alayhi salam, lui-même, les finit. Sef. Et là, Youssouf alayhi salam invite ce papa. Il invite ce papa et ce bon frère pour venir dans l'Égypte. Les Lévites dans l'Égypte, là je t'établis, je te reste dans l'Égypte. Je te reste dans l'Égypte un bon moment. Nous continuons. Yaakoub, c'est qui? Je vous trouve là-haut. C'est Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim, alayhi salam. Et nous disons, Yaakoub, tu en as 12 enfants. Dans le Coran, on l'a fait mentionner, Samoula qui appelle Asbat. Et c'est Vézut qui nous dit Banu Israël. Quand nous cause Banu Israël, Asté, Ban frère et Ban sœur, nous peut référer à qui? Yaakoub alayhi salam avec ce descendant.
Ça veut dire Youssouf, Binyamin, avec ce ban les autres frères. Quand nous causons Banu Israël, nous pouvons référer à Banna. Quelle relation est-ce avec Ibrahim? Ce qu'il me fait expliquer là. Ibrahim, alayhissalam, quand il fait Hijra Banna fin Pusli, il se près de la Palestine. Et quand il se dans le nord de l'Irak, quand Banna fin Pusli, alors, nous dit qu'Ibrahim, alayhissalam, nous gagne ce garçon qui s'appelle Ishaq, depuis maman, qui s'appelle Sarah. Ensuite, nous avons Yaakoub alayhi salam, depuis Ishaq, et Yaakoub alayhi salam, il amène nous vers Youssouf alayhi salam et ce bon frère. Tout ça là, quand vous pour rester à ce quand nous causons Youssouf alayhi salam avec ce bon frère, dans un endroit, dans un pays qui s'appelle l'Égypte. Banna fin établi dans l'Égypte. À ce un autre petite chose qui peut apparaître. Après, Youssouf alayhi salam, ça n'a capable de dire qui prophète qui vient, qui a une relation avec ce qui nous peut expliquer. Moi, tu disais, je réponds, c'est là. Ah, alhamdoulilah, Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, ça aussi, je te connais ces histoires. Bref, Moussa alayhi salam, les filles prennent naissance dans l'Égypte. Les filles prennent naissance dans l'Égypte et avec sa dominée qui sa Dimoun qui appelle Pharaon là, cruel là, qui lui déclare un arabe comme l'a'la, moi, mon rab, plus haut, plus exalté. Moussa alayhi salam, quand Allah ta'ala fin choisir lui, pour le dire Pharaon, qui pas toi qui bondier, moi, un messager qui fin être envoyé à travers Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin d'ado un seul bondier qui appelle Allah, et moi, ce messager, voilà, ben signe qui, Moussa alayhi salam, il amène vers lui, comme par exemple, un signe, un miracle qui Moussa alayhi salam dit faire, un petit peu pas ici, faux. Faux. Serpent. Ça veut dire, Moussa alayhi salam tient un bâton avec lui, et quand il tisait lui en bas, il t'y vient un serpent, et quand il ramasse, il revient ce bâton. Un autre signe encore qui Moussa alayhi salam t'y fait, un autre miracle. Faux. Alors, ça bat un bâton là, il t'y tape la mer, et t'y a un chemin, et pas permission Allah ta'ala, t'y a un chemin qui t'y ouvert, et la même banane t'y passe là-dedans, et un autre encore, nous termine là. Faux. Allez, encore, qui plie commun. Exactement. Il prend sur la main, il met en dans sur l'aise, et quand il tient, il brille comme la lune. Donc, ça, il y a beaucoup encore de signes, de miracles qui, Moussa alayhi salam, est fait, et parmi ce qu'il nous fait mentionner, très connu. Donc, Moussa alayhi salam, tu as envoyé pour tirer ben Dimoun depuis dans le règne de Pharaon, parce que Pharaon t'y fait dominer extra avec Zot, et là, relation Banu Israël commencée. Mon recul n'est pas en arrière. Nous, l'histoire de Banu Israël, pour nous connaître Israël, c'est quand il sortit depuis Ishaq. Ishaq, qui s'en a, ce papa Ibrahim. Qui s'en a, ce maman, c'est Sarah. Ishaq, après Ishaq, nous avons Yaakoub. Yaakoub, alayhi salam, il y a quatre madames, avec ça, quatre madames-là, comme les enfants, les filles, il y en a 12 enfants. Bien, bon, alhamdoulilah. Et là-dedans, nous avons qui prophète? Youssouf alayhi salam. Après ça, ça veut dire quand il finit prendre la famille net, il finit faire autres reste dans Maurice ou bien la Réunion. Youssouf alayhi salam, il prend sa famille, il fait autres, il reste dans Maurice ou bien la Réunion. Ah, je peux suivre. L'Égypte. Bien bon. Et il reste dans l'Égypte. Après ça, l'époque-là, qui prophète qui vient? Moussa alayhi salam. Mais tu peux expliquer le Moussa, quand il vient, Allah Ta'ala fin envoie lui pour faire Pharaon comprendre, arrête de faire dominer, avec qui les enfants? Israël. Mais quand ils sont les enfants d'Israël là? L'Égypte, qui s'en a qu'est-il là-bas? Qui d'origine là? Qui d'origine les enfants là? Ils remontent à qui? Ishaq. Donc, attention, nous pensons que quand nous pécons aux Israël, c'est un imbécile qui a été là, là, un juif là. Non, l'histoire amène nous à ces prophètes, les enfants des prophètes. Youssouf, alayhi salam, ce descendant. Moussa, alayhi salam, il est venu depuis dans l'Égypte. Là, il commence à faire Pharaon comprendre qu'il arrête de faire dominer avec sa bande d'immunes Israël là.
les vins tiers autres dans problème. Trop beaucoup dominé, puis fait avec autres. Là même, nous gagnons un récit dans Sourah Al-Shu'ara, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, nous avons ainsi révélé à Moïse, à Moussa alayhi salam, quand Pharaon fin perdit sa débat qui tient entre lui pour guetter que ça n'a qui plus fort, quand Moussa alayhi salam dit ok, te peux dire moi, je vais faire la magie. Je vais mettre mon bâton en bas, les mines, c'est pas, je vais mettre la main dans les mines couleur blanc. Tu peux dire moi, je vais faire la magie correct. Je vais réunir tout le magicien pour guetter que ça n'a qui plus fort. Toi, Moussa alayhi salam ou bien mon magicien. Quand il arrive jour qui besoin faire rencontre, magicien vini, zet zet ban tibout la côte fos fos, il vini vini fos fos serpent, Allah Ta'ala dit avec Moussa, zet pour toi. Quand il zet pour lui, ce serpent fin aval tout. Tout de suite, ban enfants Israël, zet dit, moi men iman le Moussa alayhi salam, ce bon Dieu. La problème, Pharaon en colère, lui dit, mon poutou zot. Elle est la même Moussa alayhi salam avec Ban qui finit accepter qu'Allah Ta'ala est seul. Et Moussa alayhi salam, les messagers, ensemble, je quitte l'Égypte pour aller. Parce que Pharaon finit faire plan là pour tout ça qui finit accepter Moussa alayhi salam comme messager et qui est seul bon Dieu qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Elle arrive côté de la rivière qui appelle Nil. Allah Ta'ala dis avec Moussa alayhi salam, prends ton bâton, tape l'eau là. Et Allah Ta'ala, d'après dans Surah Ash-Shu'ara 63, l'élem Allah fait un chemin ouvert. Ban qui finit accepter message Moussa alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala comme un seul bon Dieu. Je te récite pas ça dans et je te sortis un autre chemin. Là, je traverse la rivière Nil et je t'adresse en Palestine. Des histoires aux enfants d'Israël, côté Livini, pour y aller établi dans Palestine. Après Moussa, alayhi salam, il y a les prophètes qui sont comme par exemple, hein, pas Goré. Allez, pas fait non, je dis à Suleiman. Avant Suleiman, il y a un autre. Faux. Inch'Allah. Comment on va appeler? Alhamdoulilah, Allah augmente ta connaissance. Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam, après Moussa alayhi salam, après ça nous gagnons Suleiman alayhi salam. Nous piquons à peu près l'année 935 before Christ. Donc Daoud alayhi salam, là quand Saban Dimoun là, les enfants d'Israël là, ils rentrent dans Palestine. Qui c'est là qui amène eux là-bas? Moussa alayhi salam. Qui fait qu'ils amène eux là-bas? Ah là là. Hein? Parce que Pharaon peut pour tous les autres. Mais qui fait pour tous les autres? Cause, bon frère. Parce qu'il amène iman, l'eau Allah, il amène iman, Moussa alayhi salam, il amène messager. Dis la cause, ça, Pharaon peut pour tous les autres. Alors, si, Moussa alayhi salam, il prend une halle, saute la rivière Nil, une halle dans Palestine. Dans Palestine, Aster, ça nous retourne un petit guide en arrière. Yaakoub alayhi salam, le tidier était là dans Surah Al-An'am, Surah 6, ayat 84 jusqu'à 86. Et aussi dans Surah Baqara, Allah Ta'ala fait mentionner concernant un mot qu'appelle Asbat. Asbat, ici, il peut référer à 12 enfants. Yaakoub. Les enfants d'Israël, nous peut dire en général, prend depuis Youssouf alayhi salam, vini, je t'indivise à des. 10 parmi ça, 12 là, finissent dans le nord de Palestine. Et des parmi ça, avant les enfants là, finissent dans le sud. Et ça même des qui connus comme ban juifs, qui arrivaient après la mort de Suleiman alayhi salam, ban dimoun, ban enfants, ça dix qui trouve dans Yaakoub alayhi salam, dans Israël là, je tirais dans le nord, cette fois-ci, je quitte sa place le nord de Palestine là, je t'allerais dans
10 parmi là-dedans de Yaqub alayhi salam, ses enfants, le talris dans le Gétain Kout Kout, pour le rester. Le talris dans l'Irak. Par contre, ça, des groupes, des tribus, des enfants de Yaqub alayhi salam, là, je te reste dans les Sud encore. Et pas fini, qu'est-ce qu'ils ont pour faire? Je te reste dans Palestine pour comprendre bien. Bien. Dans le côté gauche où vous trouvez l'Égypte, dans le côté droit en bas où vous trouvez l'Arabie Saoudite, là-haut l'Arabie Saoudite où vous trouvez Israël, et il y a une bordeuse, dans Israël nous vous trouvez Jordanie, là-haut Israël nous vous trouvez Damascus, la Syrie, et dans le côté droit où vous trouvez Irak. Donc nous pouvons dire dans l'époque qui banna divise en D, dans Palestine, une partie, ça a 10 enfants là, je descendant reste dans le nord. Voilà. Je quitte l'Égypte là. Qui fait je quitte l'Égypte? Une question? Ah, fait des homilisés ouverts. Qui fait je quitte l'Égypte? Hein? Exactement, la cause pharaon, pitié des Yézouds. Qui fait pitié des Yézouds? Parce qu'ils ont fini d'accepter Moussa alayhi salam comme un messager, Allah Ta'ala, son message. La cause, ça, j'ai besoin de quitter l'Égypte. Les mêmes, je traverse la rivière Nil, je t'allais dans Palestine. Et dans Palestine, il y a une partie qui occupe le nord de Palestine, une partie qui occupe le sud. La plupart des enfants, même d'Isla, ils occupent le nord, et de là, ils occupent le sud. Et ça, le nord, là, après, qu'ils ont fait, Gétinen rond en rouge. Il paraît là-bas. Là, on divise la moitié. Palestine, il divise la moitié. Dans le nord, en haut, c'est ça, 10 là, c'est un descendant de Yaqub alayhi salam. Et en bas, nous gagnons ça, dès qu'il restait là. Là, c'était ça, le nord là. Je suis sorti depuis la Palestine quand je suis allé. Nous disions, tu es là? Ah, il y a le de Irak. Il y a le de Irak. Regarde l'histoire quand tu es sorti. Écoute les vini. Vous nous comprendrez bien, c'est l'Égypte avec persécution. Moussa alayhi salam prend les enfants Israël. Les enfants Israël ils retournent en arrière dans l'époque de Youssouf alayhi salam, Yaqub alayhi salam. C'est ça maintenant qu'il peut dire Banu Israël. Israël. Fur et à mesure les temps passés, Saban qui petit groupe là, comprend bien, ce petit groupe là, pareil comme à tout le monde, il y a une tendance oubliée, il y a une tendance, même si son nom musulman, même si son habillement musulman, mais c'est ma pratique zéro mort. Ce pratique, pas faire namaz, pas garder rosa, faire ribat du monde, qu'aucun du monde rentre dans l'intérêt, boit la boisson, il zéro. Ce petit groupe qui reste dans les sud là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous vous terminons là. Guette bien. Ça, une map Palestine. À l'époque, tout est musulman. Tibout, nous peut cause début du XXe siècle. Après ça, en 1947, ça, Tibout, qui est dans les sud-là, les commence à envahir bout par bout Palestine. Elle commence à envahir bout par bout Palestine. Et là, nous trouvons un autre problème. Celui qui nous lit l'histoire, peut-être, il vous rappelle. Les 5 juin 1967 jusqu'à les 10 juin 1967, c'est ce qu'on appelle 6 jours de guerre. Là, c'est la guerre-là qui est décisive pour montrer que Palestine est dans la main. Ban kafir complètement. Voilà. C'est ce qu'on appelle Cisjordanie. Sa bout qui est trouvé quand on écrit Cisjordanie là, ça, c'est resté ban musulman. Quand ça la guerre là fin déroulée, quand la fin arrive à l'époque, ban problème, en s'efflamé, quand je suis dans pouvoir, peut gagner là. S'efflamé là, dit ok, plus bagage non aller, quand plus bagage aller, ban kafir là. Je devinis, je t'accapare net Palestine. Voilà, chers frères et sœurs, l'histoire
Banu Israël, quand ils sont sortis, ils remontent à Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, nous gagnons Youssouf alayhi salam. Après Youssouf, nous gagnons tout sa bande descendants, le prophète là, les vins là-dedans. Nous gagnons Moussa alayhi salam, quand ils sont aussi dans l'Égypte, les finales dans Palestine, en partie, fin occupe le nord, en partie occupe le sud, et ça le nord là, fin fait Hijra, fin sorti, fin al reste dans Irak, les sud là, doucement, fin accapare partout dans Palestine, jusqu'à qui, quand finit la guerre en 1967, 5 juin, jusqu'à 10 juin, ça, 6 jours là, c'est la même qui. Complètement, ban kafir fin prend tout. Voilà, de nos jours, nous capables de dire, ça ban tipti vie là, c'est ban musulman, la reste blanc là, c'est la plupart ban kafir. Les chagrinants pour nous témoigner comme ça, mais tout vient faute de ban insan, ban dimoun qui les autres gagnent embêtés par désobéissance, par shaitan, doucement, shaitan fait ce travail. L'islam, dimoun, musulman, perdit son propre territoire, jusqu'à ce qu'il kafir, il finit gagner tout. Voilà une autre map encore qui est capable de faire vous comprendre plus. Et quand Israël était, sa bout de Jordanie qui vous trouvez là, ça va être coupé, transcène de lui ça. Prends sa Jordanie là avec sa Israël là. Tout tient celle Jordanie ça. En 1967, les là, ils ont mis de barrières, mis de barrières. Jordanie, ça pour toi, Israël prend tout là-bas. Et c'est quand même, en bas, quand tu peux trouver, il y a écrit Juda. Right? Une montagne qui t'y pousse dans l'Égypte, Israël t'y prend sa montagne là, mais après, il retourne. Un kafir. Et à qui point, et quand musulmans délaissent l'obéissance à Allah Ta'ala, je te perdis bout par bout. Et Inch'Allah, peut-être dans un jour qui peut venir, pour une abandimoun qui peut expliquer l'eau, qui fait de nos jours, nous peut faire face à un problème, quand nous dire, ça n'a pas la scope et remettre problème avec telle communauté, et un problème avec telle communauté. Une parmi les raisons principales, nous terminons là, chers frères et sœurs, c'est parce que musulmans, ben église, l'obéissance à Allah Ta'ala. Un point, c'est tout. Al réfléchir là. L'église, l'obéissance à Allah Ta'ala amène vers beaucoup de problèmes qui ou pas tant. Bon, il y a une raison qui fait de nos jours nous trouvent musulmans. Jordanie tient seul ça. Kafir fin rentré. Musulmans peut perdre un peu de pratique, peut laisser aller. Voilà ce qui arrive, ce qui est arrivé. Nous jouons Allah subhanahu wa ta'ala, dua, qu'il y ait de nous. C'est quand nous avons cause Banu Israël dans le Coran, quand nous avons cause Palestine, on connaît l'histoire là, c'est quoi? Qui concept qu'il y a? Ce n'est pas les juifs qui nous pensent ça. Non, ils retournent à nous, les prophètes. Yaqub alayhi salam, Youssouf alayhi salam. Ils remontent à l'histoire là-bas. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait de nous. Donne-nous ça, l'opportunité là, avant qu'il nous goûte la mort. Fais-nous réussir voyage vers ce pays qui appelle Palestine là. Fais-nous réussir à faire salat là-bas. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est fait salat là-bas ensemble avec ben prophète, et nous compterait bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam toujours conseille nous et voyage vers ces trois là, Makka, Madina et Palestine. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous cette occasion là et fais-nous réussir à faire une visite là-bas et accorde-nous sa faveur là pour qu'il nous réussisse à faire au moins une salat dans Palestine, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.